Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la troisième et dernière édition La Voix de l'Amérique pour jeudi, mardi, 11 février 2014. Là, édition Savine Genon depuis studio 11 là, dans Washington DC, capitale des États-Unis. Moi, c'est Serge Rodriguez. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Et grand point de voie développé après-midi à Jean-Pierre. Président américain Barack Obama recevra président français à François Hollande dans la Maison Blanche jeudi à et au bain en conférence de presse conjoint. Envoyé l'ONU à Krigarabla, l'acte d'Abrahimi, faire connaître Chita Kosian, délégué gouvernement syrien à composition, difficile en pile et au pas fait en pile progrès. Et puis Haïti, deuxième phase de dialogue inter-haïtien commencé jeudi à avec présence président haïtien Michel Martelly. On a bien détail sous ça que dit dans journée ça, dans journal. On a commencé avec une nouvelle concernant la visite du président français aux États-Unis, Jean-Pierre Loire. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, l'État a accueilli président français François Hollande dans la Maison Blanche jeudi mardi. Monsieur Obama dit alliance qui m'a connu deux pays au plus solide et plus profond parce que j'en étais pendant 20 ans qui sont passés. Chita parlé qui déroulait jeudi en deux leaders qui couvrit dossier nucléaire Iran, la guerre syrienne et fort pour combattre terroristes sous continent africain, sans oublier question échange commercial, question économique et changement climat. M. Obama dit, négociation nucléaire avec Iran, c'est une négociation qui poil chita sous aide et effet. Il n'y a pas chita plutôt sous l'effet, M. Obama dit, n'a pas cité, moins pas quoi, qu'est-ce que qui existait pendant la négociation, yo. C'est pour qu'on ait si oui ou non les États-Unis pour faire trop concession. Question, c'est plutôt pour qu'on ait si oui ou non Iran pour être capable de reconnaître l'opportunité pour le prouver dans une façon communauté internationale la qu'à vérifier et que l'expert technique est capable de confirmer que des matchs nucléaires, yo, c'est des matchs pacifiques. Beaucoup de pas le président français François Hollande qui a réagi sous déclaration que M. Obama a fait jeudi mardi dans la Maison Blanche hein, sous lien qui existait entre la France et les États-Unis dit c'est un rapport qui chita sur une histoire manchelon. Comme vous l'avez dit, une longue histoire nous rassemble. Elle ne nous a jamais séparés. Depuis Yorktown jusqu'aux plages de Normandie, chacun de nos deux pays sait ce qu'il doit à l'autre, c'est-à-dire sa liberté. Et la France et les États-Unis sont unis aujourd'hui encore pour faire prévaloir ces valeurs. Nous sommes ensemble pour combattre le terrorisme, ensemble pour répondre à la menace de la prolifération des armes nucléaires ou chimiques, ensemble pour résoudre les crises au Proche-Orient, ensemble pour trouver une solution en Syrie, ensemble pour le développement de l'Afrique,
ensemble, toujours ensemble, pour lutter contre le réchauffement climatique. Déclaration président français François Hollande qui trouvait ici à Washington dans le cadre d'une visite officielle et ce premier visite un chef d'État français a fait sous territoire américain depuis l'année 1996. Envoyé l'ONU avec Ligue arabe là, l'Agda Brahimi, fait qu'on est un chita causé entre délégués gouvernement syrien à opposition contre président Bachar al-Assad là, il est difficile en pile et il n'a pas fait en pile progrès. Réunion jeudi mardi à Genève, c'était deuxième journée dans une nouvelle série chita causé pour faire deux parties. Ils ont négocié, ils ont fait une bataille qu'a fait depuis trois l'année, établi un gouvernement transition. Dans une conférence pour la presse, M. Brahimi fait qu'on est parti à faire couillot qu'on est pour faire négociation ou démarrer. Et il dit faut que tous les deux camps collaborent sans oublier l'autre partie qui est impliquée. M. Brahimi a un plan rencontré vendredi ça avec sous-secrétaire d'État américain Wendy Sherman avec vice-ministre affaires étrangères Rusla Gennady Gatilov. Shirley Temple Black, qui était en main carrière actrice dans Hollywood pendant l'été de Simone toujours, mourit à l'âge 85 ans. Elle était en main carrière, lui, dans l'époque, gros dépression, financière, année 1930, et il était arrivé, créé, qu'est content, la carrière américaine, malgré problème, pays à traversé dans l'époque, ça. Shirley Temple Black, qui a décédé dans une mutuelle lundi, en bas cause naturelle, dans une résidence en privé, lui, qui tout prévu San Francisco, dans l'État Californie, d'après, ils ont communiqué, ma famille publié. Shirley Temple, que le monde te connaît plus bien, à cause cheveux boucles, clic t'es dans tête li et trou beauté li te gen bon figure li te rivé charmé les États-Unis à cause talent chanté et danser mon te ka constaté dans pile film il te joué dans moment il était Simone toujours il devine tourner un symbole dans l'industrie cinéma américain à cause chanté on the good chip lollipop avec danse claquette qui qu'on exécuté à gros danseur légendaire noir américain Bilbo Jingles dans film qui te relé The Little Colonel actrice de Temple Black te recevoir un prix Oscar en 1935 pour qu'aucun contribution n'était portée dans l'industrie art et spectacle ici aux États-Unis. Actrice là a été point retraite liée en 1949 à l'âge 21 ans. Dossier santé, en Afghanistan, une fille de 3 ans, tourné premier monde docteur diagnostiqué avec maladie polio, dans la capitale la Kaboul, depuis qu'il a été renversé taliban sous pouvoir, dans l'année 2001. Il y a un porte-parole ministère de la Santé en Afghanistan, fait qu'on est, si fille est là, cap vive n'a pas l'est Kaboul, paralysé, yon bon, après le fin trapé maladie, ça. Maladie polio, c'est une maladie qui est infectée en pile, et li, capable paralyser, paralysie, irréversible. Et Afghanistan, Pakistan, Nigeria, c'est seuls trois pays côté maladie ça toujours présent. Polio t'est subi une baisse en Afghanistan. Cependant, responsable médical yo t'est recensé 14 cas dans l'année 2013 là. Ministère de la Santé a fait qu'on est l'état en main une campagne vaccination dans la capitale là, une façon pour contrecarrer dernier cas maladie polio enregistré dans le pays. Dans les actualités internationales, l'autorité américaine qui a annoncé jeudi l'arrestation de 24 personnes après démantèlement d'un cartel drogue qui est associé à deux gros groupes mafias. Responsable qui baille détails sur l'opération infiltration, dans une conférence en tête ensemble dans ville Rome, pays Italie, fait qu'on ait un nouveau réseau contrebandant et connecté à une organisation Ndrangheta qui est basée dans Calabria, extrême sud-ouest péninsule italienne, avec la famille crime organisée Gambino, qui établit dans New York lui-même. Alliance a été impliqué dans fait exploitation cocaïne, sorti dans l'Amérique du Sud pour aller ici, pour entrer ici aux États-Unis. On a arrêté, tombé en bas, trafic drogue avec lien serré avec organisation mafia. Les États-Unis semblaient lis sur route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, député républicain John Boehner, dit jeudi, il pourrait permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable prêter, qui donc gouvernement pourrait capable dépasser plafond dette 17 trillions 300 millions de dollars qui en vigueur journée jeudi, sans qu'un républicain n'a pas fait aucune exigence sur ça. Nouveau président de la Réserve fédérale des États-Unis, Janet Yellen, fait qu'on est un décideur politique américain, yo, bien capable, réduire appui direct, contre l'économie américaine, nan, mois qu'a fini, yo, yon façon, pour pire économie mondiale, là, continuer prendre j'arrête. Madame Yellen dit jeudi mardi, Banque Centrale, là, pral, continue réduit, dans plusieurs milliards de dollars, les qu'on habitué dépenser pour acheter bon sous-marché, hein. Cependant, il pas dit qu'il est, après le fait. La Réserve fédérale, là, déjà,
déjà réduit à chaque 85 milliards dollars li qu'on a fait dans sens ça pour mettre le kounia à 65 milliards dollars kounia. Eh bien, c'était Transactualité internationale là sur la Voix d'Amérique qui était branchée. Nous prenons tout de suite avec nouvelles concernant le pays d'Haïti. Ou même qui a fait des demandes visa, attention à moun qui a dit que yo ka aidé ou joigne un visa. Ou ka victime fraude, ça y aurait les raquettes. Et fraude, c'est un gros crime. Bayon concile faux documents, ou soit document pas ça, ka fait que yo annule demande visa et ou ka pa jam ka aller aux États-Unis encore. Ambassade américaine pa gen relation spéciale ak aucun monde ou soit businessman ka pofri service dans affaire bay visa. C'est consul nan ambassade la seulement qui bay visa. Pa jam bliye, li nan avantage pa ou pour bay vérité, le wap rempli formulaire yo et le wap parler avec consul. Ambassade là a travaillé ensemble avec la police, ensemble avec Archive nationale pour combattre fraude. Nous ca joindre bon document dans Archive avec l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou li ka fè ou joindre un visa, ou doit faire nous compte ça sans perdre de temps. Mais adresse électronique côté ou ka écrit nous. papfraud@state.gov. Si vous voulez bonjour information sous affaire visa, ou joindre ni sous site ambassade là dans www.haiti.usembassy.gov. Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, commencé jeudi à la Hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques après rencontré avec le président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui était joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Georges, membre bloc parlementaire pour équilibre politique PEP, qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique, dialogue là après poursuivre jusqu'à présent sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Non pas qu'on finit, parce que nous, la deuxième partie journée, à côté, à continuer avec discussion sur une thématique là, qui c'est bonne gouvernance, et surtout sous affaires, justement, qui est capable d'inspirer confiance. Nous songer, dans chute à temps d'équité gagnée entre les parties, il y a été gagné de l'idée, ou bien un gouvernement d'ouverture, ou bien un gouvernement de consensus. C'était mon troisième idée, c'était des partis qui eux-mêmes souhaitaient que gain confiance en un gouvernement cadre là pour faire élection, mais eux-mêmes n'ont pas besoin de participer. Et le gouvernement lui-même, la façon que il réagit, lui montrait que il n'y a pas vraiment de problème avec un gouvernement d'ouverture, contrairement à un gouvernement de consensus là. Mais je qu'on y a là, il est censé garder. Qui ça que Yota doit faire pour inspirer confiance? C'est ça à parler là. Qui est l'élément Yota doit travailler sur Yota pour être capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la classe politique pour être capable de participer à l'élection Yota pour être capable de sentir Yota à l'aise. Donc, discussion Yota censée continuer et c'est juste le Yota